Bonjour tout le monde, bienvenue sur les randonneurs du passé pour ceux qui nous rejoignent. On fait avec mon fils les sentiers cathares et là on est au quatrième jour de cette aventure. Et normalement là on va viser Paderne et Cucugnan. Donc normalement on va peut-être avoir le château de Kéribus aussi. Donc ben ça va être une belle aventure. Là il n'y a pas de nuages ni rien, donc il va faire chaud, donc on est parti à la fraîche. Donc voilà mon fils. Voilà. Et ben moi je vous dis à tout à l'heure pour de belles images. Allez, on est parti! Ouais, on passe d'un endroit à un autre, c'est magnifique, c'est super joli. Franchement, c'est une sacrée rando, mais c'est magnifique, on en prend plein les mirettes. Hein. Donc nous, là, on est à quelques kilomètres de Paderne. Donc à peu près, ça faisait à peu près 8-10 km. Donc on doit être à peu près la moitié déjà. Et bah, je vous reprendrai sur Paderne, parce que je crois qu'il y a un château là-bas. Allez, peut-être à l'heure. Bon, bah là, on est en plein milieu de la garrigue, je vous fais montrer ça. C'est magnifique, hein. Et puis là, juste à côté de moi, là, sacré bagnole. Je sais pas comment elle est arrivée là, mais c'est une ancienne, hein. Elle est super, mais encore là, encore là. Allez, nous, on continue par là. On suit par là. Allez, à tout à l'heure. Là, on est dans un coin magnifique, on est dans une gorge, je vous montre ça. Donc là, hop, une paroi, là, la gorge là, ah, c'est magnifique, c'est super beau. Et là, juste en bas, là par là, il y a la rivière qui coule là. C'est magnifique, franchement, c'est super beau. Allez, continue le chemin. Bon là on est descendu le petite gorge, là on est sur la rivière, là on fait trempette des pieds, ça fait super du bien, et après on va se diriger sur Paderne. Allez, ça fait du bien, hein. Ouais. Juste ici le château de Paderne, donc je vous le prends comme ça. J'essaierai de mettre une photo quand j'expliquerai, parce qu'on peut pas y aller parce que c'est assez dangereux. Donc on n'ira pas. Et voilà quoi. Donc bon, c'est pas grave. Allez, on continue le chemin. Là c'est magnifique. Petit pont pour arriver au village. Super. Donc nous on va prendre de l'eau, on va se poser un peu une heure ici et je vous raconte un peu l'histoire du château quand même. Donc, je vais vous raconter l'histoire un peu du château de Paderne. Donc, Paderne, vieux bourg situé au sud des Corbières, au confluent du Torgane et du Verdouzon, est au milieu des célèbres châteaux cathares de Paypertus, Kéribus et Aguilar. Il est dominé par les ruines de sa forteresse féodale qui commandait cette vallée à la frontière de l'Aragon et était au Moyen-Âge possession des bénédictins de la Grasse. Lors de la croisade des Albigeois, donc des cathares, l'armée croisée s'en empara car elle était devenue refuge des hérétiques
Chabert de Barbera et Guillaume de Perpétus, les derniers défenseurs des Cathares dans cette région des Fenouillèdes. Le reprendront en 1248, les troupes royales avec de nouvelles forces l'occuperont sous ordre de Saint-Louis pour garantir une meilleure assistance de leur garnison de Paillipertus. Paderne a fait partie des dernières résistances au pouvoir français marquées à la fin du catharisme. Le monastère de la Grâce récupéra son bien en 1283. En 1579, le château et ses terres furent vendus au capitaine de la forteresse de Termes. Au XVIIIe siècle, le château est remanié, agrandi et embelli par la famille de Vic. De nos jours, ses ruines érodées, perchées au-dessus du village qui porte son nom, semblent encore défier le temps. Mais malheureusement, on peut vraiment, quand je vous disais là, pas le visiter parce que, en fait, ils vont essayer de le rénover, mais il y a beaucoup de pierres, tout ça, et beaucoup de gens nous disaient que c'est très très dangereux. Bon, là, on quitte Paderne et on va direction donc Quéribus et Cucugnan. La petite chapelle assez sympa, avec le château au-dessus de Paderne. Et puis nous, on trace par là. Le château de Paderne, bon voilà, hein, c'est pour ça qu'on peut pas y aller. Dans des chutes de pierre, que c'est interdit. Et, il est magnifique. Hein. Et là, on a une vue. Oh, magistrale. Allez, on est. On continue. Bon, on a encore bien grimpé là. Et là, on a un paysage magnifique. Et nous, on est descendu, mais de tout en bas là, tout en bas. Allez, là, on a fini de monter, on va essayer, on n'a plus qu'à redescendre. Allez. Ici, là où il y a mon bâton, le château de Quéribus. Ça y est, on est arrivé. Enfin, super château. Allez, on va se ravitailler au village, puis allez, on va visiter le château. C'est parti! Bon, je suis en bas du château. Et malheureusement, je ne vais pas y aller parce que là, il fait plus de 40 degrés. Là, non, c'est pas possible. Donc, nous, on va aller jusqu'à Cucugnan. Et on va aller se poser là-bas. Mais là, pour monter au château et tout, là, on a monté une grande montagne. Là, c'était short. Par contre, je vais vous raconter l'histoire du château. Et je vous mettrai une petite des photos, des trucs en même temps. Comme ça, vous aurez quand même l'historique du château. Et regardez quand même, il est là. Il est magnifique, ce château. Avec la super région qui va avec. Voilà, là on fait une descente qui va jusqu'à Cucugnan. On descend une montagne quoi. On l'a monté tout à l'heure, là on descend par l'autre côté. Allez. Ah. Allez, ça va aller. Cucugnan, notre destination, bientôt arrivé. Allez, on descend, on est bientôt arrivé. Voilà, on a descendu la montagne. On est juste à 600 mètres de Cucugnan. Regardez ce qu'on est descendu. Voilà, de tout là-haut là. Voilà, c'est ça qu'on est descendu. Donc maintenant, on va bien se reposer maintenant parce que un peu les guiboles et les plis ont pris. Là, on va bien ravitailler l'eau, bien se reposer et on verra. Mais je pense qu'on va rester sur Cucugnan. Allez, à tout à l'heure. Alors, comme promis, je vais vous raconter l'histoire du château de Quéribus. C'est parti, c'est toujours mon petit bouquin qui explique très bien tous les châteaux, tout ça. Allez, ce spectaculaire château fort situé à la limite de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, sur la commune de Cucugnan, a été bâti en XIe siècle sur un éperon rocheux de la chaîne des Corbières à 788 mètres d'altitude. Il défendait alors la Catalogne, pas encore française, des assauts des comtes de Carcassonne, ses voisins. Il faisait partie du comte de Bézalut, puis de Barcelone. Il entre dans la maison d'Aragon en 1162 en tant que forteresse frontière. Plus que tout autre, il mérite bien son surnom de nid d'aigle et
par sa position et sa forme ramassée au sommet d'un piton vertigineux, l'accès se fait par un escalier aménagé parfois à même le rocher. Au-dessus d'un pic impressionnant, l'ensemble est à visiter en empruntant des sentiers étroits et des couloirs creusés dans la roche, devenu après la prise de Montségur le dernier refuge des cathares pourchassés par l'Inquisition et l'armée royale. Il fut assiégé par le sénéchal de Carcassonne, Pierre d'Auteuil, sur ordre de Saint-Louis, pendant l'été 1255. Son défenseur Chabert et Barbera, qui était le premier lieutenant du vicomte de Fenouillet et le gouverneur de cette région, tombera dans un guet-apens et sera arrêté. Il fut trahi par l'un de ses anciens compagnons d'armes, Olivier de Termes. Il échangera le château contre sa liberté. Ce fut le dernier bastion de la résistance clandestine cathare et le dernier acte militaire de cette croisade contre les Albigeois. Les passions se calmèrent, la guerre des châteaux niés et de la résistance méridionale se termine. Je reprenais dame avec ses enfants, c'est pas grave. Donc, ce fut le dernier bastion de la résistance clandestine cathare et le dernier acte militaire de cette croisade contre les Albigeois. Les passions se calmaient, la guerre des châteaux nids de la résistance méridionale se terminait. Chabert de Barbera, le dernier défenseur actif des cathares et ses réfugiés hérétiques, eurent la vie sauve et partirent en Aragon, terre d'amis. Le château devient une place forte, frontière, comme ses proches, après s'être passé des mains des rois d'Aragon à celle de roi de France par le traité de Corbeil en 1258. Il fut pris par les Aragonais en 1473 et repris aussitôt par l'armée française. Réparé en 1597, Quéribus cessera son rôle de forteresse frontière en 1659, avec le rattachement du Roussillon à la France, traité de Pyrénées. Voilà. Donc, sacrée histoire de ce château. J'espère que ça vous plaira. Je vous mettrai aussi, en même temps que l'histoire, des petites photos et tout. Et voilà. Allez, nous, on est à Cucugnan. On est en train de se reposer. On monte la tente ce soir. Et je vous dirai au revoir tout à l'heure. Bon, ça y est, on est dans la tente. On est couché. Fin du jour 4 de notre aventure sur le sentier cathare. Demain, jour 5, on passera vers Perpertus et Prugnan, un truc comme ça. Donc on a, je crois, 20-25 km à faire. Et j'espère de vous faire de très belles images. Allez, à demain pour une nouvelle aventure.